Et hop, tout le monde, c'est la recette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu improvisé, c'était pas prévu, mais là je me suis chauffé à faire du FIFA vu qu'en fait il y avait la mise à jour de Fortnite et de FIFA en même temps. Du coup, bah celle de FIFA elle s'est finie avant. Du coup, je me suis dit, vas-y, go faire du FIFA. Mais bon, là je me suis motivé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait en lançant le jeu? Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fasse sur FIFA? En vrai, j'ai pas grand-chose à faire en soi. Genre en soi, là je récupère vite ça, vite fait. Mais genre, j'avais pas grand-chose à faire en soi sur FIFA. Mais vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais quand même jouer. Je vais voir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait vu que je suis naze et je me suis dit, j'ai pas envie de m'énerver ou quoi. J'ai lancé du coup un match. On va prendre celui-là vu que je suis droitier et vu que je suis amoureux. Pas du tout, c'est pas vrai. Évidemment que je suis pas amoureux. Ça se saurait. Enfin bref, du coup, je vais vous montrer du coup mon équipe vite fait. Que j'ai fait. J'ai joué une draft en joueur solo. Du coup, j'ai fait ça comme équipe. Voilà. J'ai ça comme équipe. J'ai pris du coup Bercic, Piqué, Ter Stegen, Sergio Ramos, João Cancelo, Bruno Fernandes, Ronaldinho, Rakitic, Dani Olmo. Eusebio, Cristiano Ronaldo. Et en banc, j'ai Gabriel, Valencia, Anderson, Saint-Maximin, Roberto Firmino, Robertson, Fabinho. Pas mal de joueurs de Liverpool sur le banc, du coup. Gareth Bale, Delaney, je connais pas son prénom. Lui, je connais pas son nom. Babel, je sais pas son prénom non plus. Je crois que c'est Ryan Babel, je sais pas. Et un petit coréen qui sort là. Voilà, du coup, c'est ça mon équipe. Du coup, je vais vous laisser. Avec les trois premiers matchs, avec tous les buts, je vais essayer de caler ça avant les matchs final. Du coup, là, je vais vous laisser avec les buts, où je vais un peu parler et tout, mais je sais pas encore comment je vais gérer ça. Puis après, bah, on se retrouve directement après ces images en game. Let's go. Attends, je suis en train de clipper là. Ronaldo. Et c'est le but de Bercic. Mais c'est n'importe quoi. Yes, Yuri. Yuri. Yuri, mon pote. L'ancien joueur du PSG. Regarde-moi cette frappe. Boum. Cristiano! C'est même pas Cristiano en plus! Ah si, bah si. Cristiano! Mais il est trop chaud!
suis une pute. Je suis une pute, gros. Ferme ta gueule, Olmo, frère. Je suis une pute, mec. Ah oui, let's go man, FIFA mec. What the fuck? Mais what? Ce qui m'a sorti là? Ouh, le petit salto avant, mon pote. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais il est trop fort. Bien sûr. Oh mais c'est bon, c'est bon. Arrêtez-les en fait. Ils sont trop chauds. Eh, le but de Cristiano Ronaldo. Mais il est trop fort! Arrêtez-le en fait! Nantes. Quoi? Ça va être compliqué hein, Nantes. Et c'est le but de Sepio! Même blessé, mais début! Mais c'est incroyable ce joueur! Qu'est-ce qu'il est fort! Il ouvre son compteur de but avec l'équipe de Manchester United. Non, je rigole, c'est Gotham! Qu'est-ce qu'il nous a fait Cristiano Ronaldo encore une fois? Mais c'est incroyable! Cette vision de jeu! Il a totalement déposé Palois, mais c'est incroyable en fait! Ronaldinho pour le troisième but de l'équipe de Gotham. C'est incroyable.
Cristiano Ronaldo. J'ai même pas fait exprès, mon pote. Regardez-moi ça. C'est non. Regardez-moi ça. Voilà, passe par contre, elle est. Ouais, non, en vrai, tout est beau dans la case, mais j'ai pas fait exprès. Mais yes, yes, mec. Je prends du plaisir là. Même si j'affronte que non, j'avoue, je suis en champion, je suis même pas en ligne. Mais je prends du plaisir. Ça s'entend peut-être pas, tu vois, mais. Oh, dommage, je vais jouer le gardien. C'est Lafond, ok. Ok, bah ouais, let's go. Ok, je suis con. C'est pas grave. Je mettrai les deux alliés, puis après on verra. Donc ça les potes, je suis très nul à ça. Dans les petits jeux comme ça, je suis très très nul. Ok. Sergio Ramos, hein, pourtant, mais je suis très nul. Du coup, les potes, je vais essayer de pas trop rager. Là, je vous mets tout le match, mais les trois premiers matchs, je me suis dit, vas-y, je vais pas vous montrer tout, tu vois ce que je veux dire. Mais là, pour un match, je peux vous montrer tout, tu vois. Ça dure 15 minutes en soi. Pire, la vidéo, elle dure 25 minutes, mais c'est pas grave. Elle durera même 30 minutes, peut-être, mais tu vois, mais j'ai fait l'effort. J'aurais fait un petit effort quand même. Enfin, je vais essayer, bien sûr. Enfin, j'ai essayé, du coup. Et qu'il faut que je parle en. J'affronte qui en fait là comme équipe? La Juve? Ah ouais. Du coup, première équipe, j'ai affronté une équipe éclatée. Genre, c'est 60-60-60. Enfin, vous connaissez à peu près. C'est dans les 60. Entre 60 et 69. Vous connaissez. Après, deuxième équipe, j'affronte une équipe 70-75, tu vois. En note. Attaque, défense, milieu, je parle là. Puis après, bah là, j'ai affronté Nantes, quoi. Mais vous avez vu, de toute façon, je pense. Vous voyez quand même les équipes. Puis là, du coup, la Juve, c'est un peu plus haut. Je suis en difficulté champion pour ceux qui se demandent. Donc il y a moyen que je perde en vrai. La Juve, c'est quand même fort. Du coup, il y a un duel entre Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo dans ce match. Si je parle pas, c'est normal, j'ai pas envie de perdre en vrai, vu que c'est même pas en ligne. Donc si je perds et c'est pas en ligne, c'est un peu honteux. Là les trois premiers matchs, là, j'étais en mode musique. J'avais la musique dans les oreilles. J'avais. Bah, je. Dès que je mettais un but, j'étais en mode. Je le fêtais, quoi. Je sais pas, ça manque le foot. En soi, depuis le confinement et tout. Enfin, là, du coup, il y a la Bundesliga qui a repris depuis deux semaines, tu vois. Mais même, je peux pas regarder, tu vois. Il n'y a pas de public et tout, donc c'est pas pareil, je pense. Mais en soi, ouais, ça manque un peu le foot. Du coup, voilà. Et limite, même, je commentais, tu vois, j'étais là en mode Cristiano Ronaldo qui fait la passe à Ronaldinho. Genre, un truc comme ça. Genre, je sais pas pourquoi je fais ça des fois. Je sais pas, vous, peut-être aussi, ça vous arrive. Fernandez pour Eusebio qui va donner pour Olmo, c'était prévisible. Non, tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas. Ok, Can, Emre Can. Je sais pas comment ça se dit son nom. Qui va faire une passe à Cristiano Ronaldo. Qui va la donner à Emre Can. Une, deux. Pour Pjanic. Pour Can. Encore une fois. Il a beaucoup le ballon ces dernières secondes. Bref, je vais arrêter. Ter Stegen, cet arrêt. Pied fouet. C'est rien dire. Ok. Fernandez. Le joueur de Manchester United. Pour Cristiano Ronaldo. Qui va la prolonger pour Eusebio. Qui est un peu tout seul. Qui a vu Olmo, mais un peu trop tard. Du coup, ça va arriver sur Petchic. Le latéral gauche qui est monté. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Putain, quel but. Du pied droit en plus.
Waouh! Quelle frappe! Quelle occasion! 1-0 pour Gotham United. Ne me demandez pas pourquoi j'ai appelé ça Gotham United. C'est tout simplement vu qu'à une période. L'année dernière déjà, j'ai joué à FIFA du coup. Et je regardais une série qui s'appelait Gotham, du coup, logique. Sur Netflix. Et j'avais bien kiffé. C'est mon frère d'ailleurs qui m'a fait découvert. Et puis on a regardé ensemble quoi. Puis au final, j'ai bien kiffé. Et depuis, sur FIFA, j'ai appelé mon équipe Gotham. Et United, vu que je suis fan de Manchester United, donc voilà, Gotham United. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment, on va dire. Dybala pour Chan. Chan qui est beaucoup présent pour ce match-là. Ok, Ter Stegen qui va la donner pour Ramos. Pour Piqué. Pour Ronaldinho. Ronaldinho qui décale à Fernandez. Pour Cristiano Ronaldo qui va chercher l'une deux avec Eusebio. Qui va y trouver. Ouah, c'était pour Cancelo de base. Bruno. Qui va donner à Cancelo, que je trouve incroyable les potes. Je sais pas si je vais vous le montrer du coup dans les clips que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais en vrai, je le trouve incroyable. Je sais pas si vous, c'est un joueur que vous avez vous affectionné particulièrement sur FIFA. J'ai bégayé à dire cette phrase. Je suis même pas sûr que c'est très français ce que je viens de dire. Cancelo. Qui a cherché à dribbler, mais c'est pas vraiment ton objectif. Mais il a trouvé la faute. Il a obtenu la faute. Ok, Fernandez. Qui va essayer de centrer. Je gère pas encore les coups francs et tout. Qui aura peut-être une deuxième chance de centrer pour Eusebio. Et c'est 2-0. Le temps d'attente là, j'ai bégayé frère. Je croyais qu'il avait pas bu. Mais ok. Bruno Fernandez qui s'est rattrapé sur ce centre. Incroyable. Pour une tête de Eusebio. En détente un peu reculée. J'ai pas compris. Il a les têtes baissées comme ça. Ok, et encore faute. L'effet sonore, je crois que je vais enlever. Genre l'ambiance du stade. Comme en vrai, c'est gênant limite. Enfin, bref, n'hésitez pas à me dire ce que je dois modifier. Même le dernier match, là, j'hésite à couper des moments, tu vois. Mais le truc, c'est que si je parle et tout. Vu que moi, j'aime bien parler en soi. D'ailleurs, je vais parler à la fin encore. Du coup, je vais prolonger un peu la vidéo, mais c'est pas grave. Eusebio, Cristiano. Ah, Cristiano Ronaldo qui la donne un peu trop profonde, tout simplement. Ok, Cristiano Ronaldo. Pour Eusebio. Qui décale à Fernandez pour la frappe croisée du gauche et c'est le but 3-0. Bruno Fernandez. Je sais pas si c'est Fernandez avec un S ou un KZ, mais je pense Fernandez. Ok, pour l'instant je suis chaud. Hein. Eh, juve ou pas juve, je m'en bats les couilles. Je suis en champion, les potes. Je gère plutôt bien en vrai. Une montée en puissance que j'ai eu. À la limite, je joue mieux contre la Juve que contre Nantes, c'est n'importe quoi par contre. Ok, Ter Stegen qui est en place sur cette frappe de. J'ai même pas vu c'était qui, mais je pense que c'était Mandzukic ou Pjanic. Ok, je. Ok, GG, 3-0 à la mi-temps. Sur 3 tirs, 3 buts, 3 cadrés, c'est fini. 3-0. Cristiano Ronaldo n'a pas marqué d'ailleurs. J'ai marqué avec le défenseur gauche, Eusebio et. Et si, il a marqué Ronaldo. Tu sais même plus avec qui j'ai marqué, t'imagines ou pas? Persic. Ah non, bon. J'ai essayé, mais.
Je bégayais du coup. Penalty pour la Juve, obtenu par je ne sais qui, par Cristiano Ronaldo, mais c'est Olmo. Ah ouais, il lui a mis un coup de tête, hein. Olmo, tu te calmes, tu vas sortir, hein. Il va tirer à gauche, il va tirer à gauche. Je savais. Putain, GG Dybala, belle lucarne sur ce penalty. Ah ouais, il l'a. Après, j'ai sauté un peu tard. J'ai bégayé sur ma manette, je me suis dit, bah, j'ai pas l'habitude, quoi. D'ailleurs, j'ai loupé un penalty. Je sais pas si je voulais le laisser du coup dans le montage. Facile, facile. À l'engagement, quoi. Facile. Eusebio. Eusebio. Eusebio? Sur une passe de Cristiano Ronaldo? Yes! Pourquoi j'ai fait cette petite voix? J'en ai aucune idée, les potes. Vas-y, vu que le match est plié, j'ai plus besoin de me concentrer, du coup je vais un peu parler un peu plus. Un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de la match de Fortnite pour ceux qui ont déjà commencé à jouer? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté un peu? N'hésitez pas à me dire, moi je sais pas. Apparemment ils ont nerf un peu. L'aide à la visée sur la manette. Je sais pas, j'ai entendu ça. J'ai regardé le live de Mechoué un peu. Mais en vrai, je sais pas ce qui. Je sais pas. Enfin, pas l'aide à la visée, mais genre, vous avez compris. Enfin, si, c'est clairement ça en fait, je suis con. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Enfin, si c'est vraiment le cas, tu vois. J'ai pas encore joué du coup depuis la match. Là, je fais juste ce match et je pense que je vais décaler Fortnite, tu vois. Mais je pense pas qu'il y a des nouveaux. Il y a pas de nouveautés sur le monde ou quoi, donc. Olmo peut-être pour. Il se rattrape de son penalty, mais oui! J'ai même pas fait exprès, j'ai pas compris ce que j'ai fait encore là. Regarde, hop, ça c'était propre. Là je rentre. Là je voulais faire un dribble, mais il s'est arrêté. Du coup, même le défenseur adverse s'est arrêté. Genre, lui-même il s'est demandé, mais il fait quoi? Genre, moi je me suis demandé, il fait quoi? Mais même le défenseur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait. Quoi? C'est grave. Puis voilà. Je pense que les nouveautés sur le monde, ils vont mettre à partir de la semaine d'après. Pas cette semaine, mais en même temps que la mage, enfin la nouvelle saison, quoi. Je pense. Comme là, il va encore sortir un héros ninja en pirate. C'est Ken, je sais pas son nom, mais il s'appellera Ken. Vu que j'ai vu en image déjà le héros. À quoi il ressemble? Il est plutôt stylé. En vrai, tout le monde a été chaud, mais vas-y, je vais sortir Akichi, vu que je l'ai pas trop vu. On va rentrer Fabinho. Je vais sortir. Vas-y, Bruno Fernandes, vu qu'il est un peu fatigué, on va mettre Ronaldinho plus en avant. Et Olmo, t'as fait un très bon match, mais on va tester du coup le petit. J'ai envie de tester Saint-Maximin déjà avant, mais vas-y, je vais tester Saint-Maximin. On va mettre Ronaldinho à gauche par contre. Non, attends. Je bégaye. Désolé hein, si c'est long la vidéo du coup, mais c'est pas grave. Ronaldinho et Saint-Maximin, voilà. Du coup, je fais mes trois petits changements. On a sorti nos trois joueurs un peu les moins beaux, les moins bons en général, on va dire. Gabriel, j'ai envie de tester vu qu'en vrai. Il a des stacks incroyables, c'est la version TOTS. Qu'est-ce qu'il fout là, Ramos? Ramos? Ouais, il fallait s'y attendre.
Il est pas allé sur le ballon, le joueur. Dommage. Ouais, je pourrais gratter des secondes. Hein. Mais je vais pas le faire. Enfin, je vais pas le faire. J'ai bien tenté. Après, je suis plutôt content de mon niveau là. Après, je suis un champion évidemment, mais genre en soi, je les ai quand même enculés la Juve. La Juve, c'est quand même une bonne équipe, tu vois, dans FIFA. Après, j'ai une énorme équipe, c'est vrai. J'ai Cristiano Ronaldo, Eusebio, Ronaldinho. C'est vrai qu'en draft, du coup, t'es une équipe incroyable. Mais en soi, la Juve, c'est quand même fort, je me dis. Enfin, je sais pas, n'hésite pas à me dire du coup. Pour ceux qui jouent régulièrement, moi, je joue très rarement du coup. Bah, j'ai fait acheter le jeu à ma mère, enfin c'est elle qui a voulu me l'acheter, je lui ai pas demandé, clairement. Mais du coup elle me l'a acheté, mais en soi... J'ai pas joué beaucoup en soi. C'est clair, Ronaldinho il serait resté en place, j'aurais tenté une retournée la vie de ma mère, mais il était un peu trop avancé du coup. Ce move c'était quoi mec? Je suis tombé comme une merde gros. En vrai 5-1 mais en soi le jeu il est lent je trouve. Enfin en soi tu peux pas... Tu peux pas faire de beau gameplay sur ce jeu si tu parles pas dessus quoi. Et moi vous savez parler c'est pas mon fort. Mais genre admettons tu fais un live sur FIFA. En vrai pour animer le jeu c'est chaud. Vu qu'il y a des temps morts et tout quand même. C'est un peu comme en vrai vie mais... Mais j'aimerais trop faire ça. Faire des lives FIFA tu vois. Vu que c'est quand même mon jeu que j'adore le plus. Mais s'il y a un chat ou quoi, ça peut m'animer et tout. Mais il faudrait qu'il y ait des gens quoi. Et que mon chat bug pas et tout. Ben en soi, je kiffe à toi. Même mettre ma cam, tu vois. Enfin, j'en ai pas encore, mais genre, je vais prévoir pour en acheter une. Peut-être pour en arriver ou quoi, je vais demander à ma mère ou à ma soeur ou à mon frère ou à mon. Ou à quelqu'un de ma famille quoi. J'espère que ce sera gentil quoi. Ben en soi, j'aimerais trop mettre ma cam. Et parler comme ça en live. Et faire des lives quoi. Ça pourrait être le feu en vrai. C'est ce que j'ai envie depuis un petit moment hein, déjà. Eusebio du match, logique, il a mis un doublé je crois. Voire même un triplé, je sais pas. Ouais, j'ai fait 5 tirs, 5 buts. Hein. Putain, mon ratio de... Vous voyez que j'ai gagné 3-0, 2-0, 7-0, 5-0 et 5. Du coup, c'était plutôt pas mal. Du coup, ouais, les récompenses ont éclaté, du coup, vu que c'est pas en ligne. J'ai eu 3 packs. Un pack premium or, je sais même plus c'est quoi ça, c'est 7500 j'imagine. Ce pack là, je veux dire ce lama là tellement je joue à seul monde tu vois. Ouais d'accord c'est 7500 je pense. C'est éclaté du coup. Du coup on va jarter ça. On va mettre tout à 500 et c'est réglé quoi. Je l'ai déjà eu qu'à la machin. Le joueur du Milan. Eh, la musique FIFA elle est pas mal en vrai. Je vais pas chanter vu que je suis éclaté mais. Et ça j'imagine que c'est un pack à 15K non? Ok. Un petit boost. Ça fait le deuxième qui me donne en noir comme ça, des joueurs éclatés. Mais je sais pas si c'est des boosts ou des cartes spéciales pour échange. C'est des cartes échange non? Conmebol Liberador, c'est quoi? C'est le championnat ça? Ouais c'est le championnat ça. Mais c'est des cartes quoi ça? C'est des boosts classiques? Je connais pas en vrai. Je peux pas vendre? Bon bah si je peux pas vendre je garde tout. Peut-être ça on s'en bat les couilles, ça on s'en bat les couilles, ça on s'en bat les couilles, ça on s'en bat les couilles. Et c'est bon. ATBU ça va être intéressant. Il n'y a pas d'anime, hein, c'est logique, c'est des packs de merde. Ah si, c'est l'anime ça, Ok. Rames Rodriguez. Ok. Pour une petite draft
Oh, je peux le vendre en plus, il coûte combien? 8000, 7000. Bon, c'est pas une draft remboursée, mais. Ok. Un petit Ramés Rodriguez dans mon petit. Dans mon petit pack. Vous savez quoi, je vais tout garder, sauf, sauf les joueurs non rares. Franchement, je suis plutôt content de cette récompense. Ah là, il me faudrait. Oh, Gabriel Ernst. Attends, je vais le garder lui. C'est le mec de l'ancien truc de Marseille, ça. Je vais le garder lui. Juste pour l'historique, quoi. Maillot de l'Espagne, on va le garder. Pérou, on va le garder aussi, vu que j'aime bien. Et après, voilà. C'est des trucs pays, tu vois, donc je vais le garder. J'ai déjà lui. Il coûte combien, tu connais? Désolé si je fais un peu rallonger la vidéo. Mais du coup, ouais, c'était sympa ce petit draft. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des drafts de temps en temps comme ça. Et en vrai, pourquoi pas en faire? Enfin, même pas des drafts, mais genre du FIFA. Mais du coup, ouais, du coup, je vous laisse là-dessus. C'est juste une petite vidéo bonus comme ça. Et puis, je voulais faire une petite dédicace aussi, vite fait, à la fin. Je remercie du coup Jay la gameuse de jouer avec moi et tout ces derniers temps, vu qu'en vrai, elle m'a sorti un peu de la déprime. Et ça fait plaisir de savoir ça. Et bah déjà du coup j'aimerais bien, bah si tu veux qu'on soit amis ou quoi, je serais content. Enfin, on est déjà un peu amis techniquement, mais on se connaît pas en vrai ou quoi. Et n'hésite pas à me dire quoi si tu veux qu'on se fasse des projets ou quoi ensemble. Je serais chaud, faire des petits lives et tout. Puis voilà, puis merci quoi, tout simplement. Ciao.